C'est parti pour cette saison 2 de FVPA, plus de 50 matchs au programme, mais on va suivre un petit peu la L1 avec la BAM eSport qui affrontait Fly Emirates. On voit le penalty ici grâce à Kira qui est venu provoquer la défense. C'est indéniable, hein. Il y a penalty. Et le buteur s'appelle Brusimovic, ex numéro 3 de la saison dernière au classement des buteurs. Il vient offrir la victoire à son équipe. 3 points pour BAM eSport. Suivons ensuite le second match pour French Superfly qui va essayer de se reprendre face à FC Globi, le promu. Et très belle action, Cantinho qui vient crucifier le gardien. Très bon départ pour le FC Globi. A nouveau un penalty, attention de la part de French Superfly, ça subit du penalty. Mauvaise, très mauvaise entame de saison. Il va falloir être vigilant dans la surface. Gavroche vient tromper le gardien et c'est 2-0 pour le FC Globi. Kull s'élance. Il prend de vitesse l'ensemble de la défense et vient conclure d'une frappe majestueuse dans la lucarne opposée. 3-0. Merci, au revoir, on passe à la suite. C'était donc la première journée, match entre anciens de Ligue 2, Urban Soccer, FC Globi. À voir si le FCG va appliquer le même tarif que lors de la J2. Oui, on va en décaler J2, J1. Et c'est d'ailleurs, voilà, encore un penalty, hein. Très 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 riche en penalty, décidément. Et donc, est-ce qu'il va être conclu? Suspense, hein. Quelque chose me dit que si on diffuse, c'est pas pour rien. Et voilà, c'est exactement le même de la part de Gavroche. Attention, on a peut-être décelé quelque chose. Gavroche tire tous ses pénaltys à gauche, retenez ça. En deux journées, on t'a cramé ta technique, désolé. Et donc après ça a déroulé pour le FC Globi qui est qui signe 6 points. 6 points en deux matchs, carton plein. Donc c'était une victoire 3-0. Maintenant Urban Soccer face à Bestou. Bestou WS. Que s'est-il passé? Mouj qui a remis pour Tonio et magnifique but. Bestou qui ouvre le score. 3 points pour l'instant. Belle entente collective en tout cas. Alors que Urban va revenir certainement avec un coup franc. Petite caméra privilégiée pour vous sur FVPA. Et voilà. Magnifique reprise de Dams 34-7 qui vient crucifier le gardien. Et à la 90e, Primo Fut à l'arrache. Avec la force, la puissance, il y croit. Il vient arracher cette victoire. Peut-être aussi à l'expérience, c'est Bestou qui s'impose 2-1 dans ce match. Il y a vraiment le cafouillage et Primo qui vient conclure cette action. Et on poursuit avec Red Arms, Nothing Sporting, 27, la frappe, Nini qui vient marquer. C'était repoussé par le gardien. Et voilà, le Red Arms qui ouvre le score face à Hurricane. Magnifique. Magnifiquement suivi plutôt. Et maintenant Hurricane qui repart avec Maxou pour Senzerna. Ouh, Diggs. Diggs qui vient au nez, devant le nez du gardien, pour la planter au fond des buts. Magnifique. 1-1. Et c'est la 52e quand Stankovic va percer en solitaire.
dans la surface, bien sûr, frappe croisée, croisée au sol, ça fait mouche pour le gardien. Et qu'est-ce qui se passe? 2-1 pour Red Arm Sporting. Mais il reste encore du temps, n'ayez pas peur. Bah oui, puisqu'à la 59e, quelques minutes après, c'est Hurricane avec, bah là on voit Robinho, ensuite Sakne, je prononce peut-être mal, mais l'ouverture est magnifique. Maxou qui décale avec plein de lucidité pour Senzena, et ça fait 2-2. Le match nul qui a été, on va dire, mérité de la part de Hurricane qui va le chercher, c'est fini sur ce score. Maintenant c'est STL éphémère face à Wu-Tang Clan. Et éphémère qui a profité d'une erreur défensive de Wu-Tang. On voit tout le monde chez Wu-Tang qui est plutôt côté droit. Alors pourquoi? On pourrait leur poser la question, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que éphémère en a profité. Il y a un nouveau contre. Et voilà. Magnifiquement joué de la part du Cobra. Il s'appelle le Cobra, donc qu'est-ce qu'on peut dire du Cobra? Je sais pas, on lui demandera l'autorisation de 0, ça c'est clair et net. Il va falloir réagir du côté de Wu-Tang, et c'est Alan qui va essayer de rétablir les choses. Magnifique frappe, pleine lucarne, bravo pour la prise de courage en tout cas. D'ailleurs Alan qui est magnifiquement servi cette fois au sol, après avoir mis en pleine lucarne, c'est en pleine lunette, toujours côté droit bien sûr, et c'est superbement joué. 2-2 dans ce match, mais c'est la 73e, garde la pêche, qui va essayer de remettre The Phénomène qui bénéficie du compte favorable et qui vient s'imposer en mettant une frappe croisée. Je vais vous dire une chose, moi je pense que cette frappe croisée, elle est bien sentie, il a bien appuyé sur rond. Ça, moins qu'ils soient en commande PES, ça se compte là sur carré, bien sûr, on respecte toutes les croyances, mais c'est très bien joué. Et sans hésitation, ça permet à Éphémère de s'imposer 3-2. Et on va enchaîner avec les résultats de la Ligue 1. French Super Fight BAM 1-0 pour la BAM. FC Gloubi Urban Soccer 3-0 pour FC Gloubi. 0-0 entre BestuWVS et Hurricane. C'est le même score pour Oxy, Orxy Sport et Mafia Mila. We Will Rock You s'impose 2-0 face à FCP Outsider. Family Team 11 2-1 face à Wu-Tang. Et Red Arms SP 127 1-1 face à FMR 69. En J2, Bami Sport gagne 3-0 face à Mafia Mila, FCP Zader, Oxy Sport 1-1. Match nul entre Hurricane et Red Arms SP 127. Urban Soccer perd 2-1 face à Bestou. Wu-Tang, FMR 3-2, on l'a vu. French Superfly 0, FC Gloubi 3 et Family Team 11 gagne 3-1 face à We Will Rock You. Et pour être sur le podium, il fallait faire 3 points. Comme on les applaudit bien fort, bien sûr. Gloubi, Bami Sport et Family Team 11 avec donc les 6 points. 4e, 5e, donc Éphémère, Bestou, Will Recure, Red Arms, Hurricane, Orxy Sport, FCP Zader et Mafia Mila avec 1 point qui évite la zone rouge. Wu-Tang, Urban Soccer et French Superfly ferment la marche. Et c'est parti pour la Minute Ligue 2 avec une petite image, voilà. C'est Guissan Beach qui est allé s'imposer 3-0 chez FC Virus. On va voir ici le but de X Okanovic qui crucifie leur goal qui s'appelle Lloris. C'est pas le vrai, hein, c'est un autre Lloris. Et on va passer au résultat, parce qu'on a déjà un peu dit de la merde. Donc résultat de Ligue 2, première journée, S Rosario gagne 2-0 face à Casablanca. Polos Hermanos FC Virus, il y a 4-2 pour le FC Virus, hein, on le voit. Evolution Chief 4-3 face à Guissan Beach et 2 cartons. Football Total 5-1-0 face à Eleven Raptor et Bad Boy Crew qui gagne 5-0 également. Deuxième journée, AS Rosario 3-2 face à Polos Hermanos. Guissan Beach FC Virus, on l'a vu. Casablanca qui perd encore face à Bad Boy Crew et GFC Gunners qui est à moins 9 puisqu'ils ont pris 4-0 face à Independente. Voilà, vous voyez les résultats. On passe au classement avec Bad Boy Crew, les anciens, Independente 6 points. AS Rosario, c'est pareil, ils sont 4e, tout comme d'ailleurs Football Total. Pas tout comme, hein, parce qu'il y a 4 points, donc du coup ça fait 2 points en moins, 6 moins 4, 2, 2 points en moins, donc forcément c'est pour ça qu'ils sont derrière, c'est parce qu'ils ont moins de points, oui, c'est logique. Bon, côté zone rouge, Casablanca, Eleven Raptor et GFC Gunners logiquement en dernier, à noter que Polos Hermanos et Authentic United n'ont pas non plus ouvert leur compteur. Voilà, c'était la petite minute et demie de Ligue 2, c'est important.
À part ça, n'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos buts, vos actions, tout ce que vous voulez. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Ensuite, vous pouvez aussi venir nous aider si vous voulez. Voilà, si vous voulez faire partie des médias FVPA, n'hésitez pas également à nous contacter. Ensuite, je tiens à remercier Fou de PES et Skyman, sans qui ça aurait été beaucoup plus compliqué de sortir cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine.